Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de la flemme quand on n'a pas envie de cuisiner. Une recette qui prend à peu près 10 à 15 minutes maximum. C'est des spaghettis à la crème, sans gluten et sans lactose. Très facile à faire, mais tellement bonne. J'espère que la recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 400 g de moules. Moi, j'ai pris des moules surgelées, mais vous pouvez prendre des fraîches aussi. 3 gousses d'ail hachées. 2 cuillères à soupe d'huile, 20 cl de crème végétale que vous pouvez trouver en magasin bio, de sel, de poivre. Pour cette recette, je vais utiliser les spaghettis de Lidl qui sont vraiment top, certifiés sans gluten. Et si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez surtout pas. On commence par faire revenir l'ail haché dans les 2 cuillères à soupe d'huile sur feu moyen. Juste quelques secondes pour qu'il soit un peu doré. Ensuite, on ajoute les moules. On les laisse cuire environ 3 à 4 minutes sur feu moyen. Dès que c'est fait, on ajoute le sel et le poivre. On mélange bien. Et on ajoute la crème de soja que vous pouvez remplacer avec de la crème de noix de cajou ou de la crème de coco. On mélange bien et on laisse cuire sur feu moyen environ 30 secondes. Je vous épargne la partie de la cuisson des spaghettis. Après cuisson, je mets les spaghettis dans la sauce directement. Je mélange bien pour que les spaghettis s'imprègnent de toute la saveur. Et je finis par mettre un peu de ciboulette hachée par-dessus. Et voilà la recette d'aujourd'hui, des spaghettis à la crème, très très bonne. Franchement, j'espère que vous allez l'essayer. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!